cool, on est bon, là, notre timing. La carrière de Steve s'est terminée avec Cofidis. Steve adore le cyclocross, moi-même j'ai jamais arrêté le cyclocross. C'est vrai qu'avec Lucie, on avait aussi ce rêve un petit peu, et puis on avait échangé sur le fait de courir avec le même maillot, avec les mêmes vélos, d'avoir le même programme finalement, et j'ai voulu retourner tout simplement mes premiers amours. J'avais envie de refaire une saison de cyclocross à fond. Il était à la recherche de quelque chose de nouveau, il était un petit peu en fin de course avec le vélo de route, avec ses ambitions, avec quelque chose. Et on a parlé de ce projet, et dit « Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher ?» Je lui ai dit « Oui, ça pourrait marcher, parce qu'aujourd'hui, il y a cet engouement pour le cyclocross qui revient petit à petit. » Je me suis dit « Mais pourquoi pas créer notre équipe, quoi ?» On va remettre un petit peu la technique en route, on va se faire une petite demi-heure, 40 minutes sur route. Yann, toi tu prépares le début de saison, donc tu feras ton exercice dans le fiscal, et puis on se retrouvera là-haut, puis on ira... rouler au site du Perret, ça vous va? Lucie, c'est bon? Allez, on te suit, capitaine! Quand je suis passé en équipe de France en 2000, il n'y avait pas d'équipe spécialisée. Puis j'étais arrivé au bout d'une aventure parce qu'il y avait finalement il n'y avait plus de marche à gravir. Quoi. J'ai été quatrième d'un championnat du monde et puis je gagnais pas ma vie en faisant du cyclocross. Le seul moyen c'était de bifurquer vers la route, ce que j'ai fait. Et je me suis dit mais c'est quand même dommage parce que ce que j'aimais le plus c'était le cyclocross. Ce que j'aime encore le plus c'est le cyclocross. Mais malheureusement on ne peut pas en vivre au jour d'aujourd'hui. À part en Belgique. On savait qu'à, bien sûr, en Belgique, en Hollande et dans des pays, on va dire aux États-Unis aussi, le cyclocross fait partie intégrante d'une discipline, d'une vraie discipline professionnelle. Et on s'est dit, pourquoi pas relancer ça en France? Je voudrais que les jeunes puissent se dire que c'est faisable. Alors que moi, quand j'étais jeune, c'était pas faisable parce qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, si on le fait et que même si on est petit, bah, au moins, il y a quelque chose qui fait qu'ils peuvent continuer à progresser et à devenir de vrais professionnels. Quoi. She dominates to your tears. She get him down on the knee. Don't you know his name? Don't you know he's tame? Don't you know his name? Don't you know he's been tamed by you? C'est un sport technique, c'est pas uniquement appuyer sur les pédales avec 6 heures ou 7 heures d'effort et puis voilà, y a rien qui se passe. Là, il y a une sensation de pilotage, il y a des terrains, des sortes de terrains différents. Il y a des fois on est dans la boue, il y a des fois il fait 25 degrés au mois de septembre, c'est très roulant, c'est de l'herbe, il y a des fois c'est dans le sable. C'est une sensation agréable d'être au combat, quoi. On est vraiment dans un match, quoi. Quand il faut aller faire l'intérieur à un gars, qu'il faut aller lui faire un freinage, ça se fait pas sur route, on va pas faire un freinage dans un virage. Don't you know? You know he's been tamed by you, yeah. En cyclocross, le mec qui sait pas descendre de vélo, qui sait pas clipser correctement ses pédales ou qui sait pas passer un virage, ça a beau être Tom Bonnen, hein, il gagnera pas un cyclocross. D'ailleurs, on a souvent vu des routiers préparer la saison de route en faisant des cyclocross, ils prennent 2 tours. Hein. Ils sont juste pas techniques. Team Cross by G4, sans adversaire aujourd'hui. Je pensais qu'il allait être limite pour ce tour. C'est bien, t'es content. Ouais, ça me tenait à cœur. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. Ah, c'est bien, t'as bien roulé. Hein. On a une philosophie totalement à part, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'athlète se sente bien. On n'est pas dans une pression sportive, une pression de résultat. On sait que si l'athlète se sent bien, l'athlète, forcément, il a envie d'être performant. Steve, ça a toujours été ça, c'est avant tout le plaisir. On ne se dit pas, la course là, il faut impérativement que je sois sur le podium ou tout ça.
tant qu'on donne le maximum, il est content. On n'est pas bête, on va pas dire faut que tu sois performant au détriment de ton propre bien-être. Donc aujourd'hui, moi je me suis rendu compte que dans le milieu professionnel, quand je lis les articles, quand je consulte un petit peu les coureurs, tout le monde perd cette notion de plaisir. Et aujourd'hui, sincèrement, moi, quel pied, mais quel kiff j'ai de prendre mon vélo, de mettre mes vêtements, de mettre mon casque, de voir mes coéquipiers, de travailler avec mon staff, parce que c'est des gens que j'ai choisis. Et les gens qu'on recrute au sein de notre équipe, les coureurs qu'on recrute, c'est des gens qui ont cette même philosophie. C'est-à-dire qu'on va sur une course, on donnera le meilleur de nous-mêmes, forcément, si on se sent bien. Et on prend pas le problème à l'envers, en fait. Si j'avais un premier petit bilan à tirer, bah déjà vous dire que bah, pour l'instant, je suis très très fier de vous. Lucie aussi, qui elle n'est jamais fière d'elle, mais sincèrement, je suis fier de vous les gars. Vous avez porté haut les couleurs du Cross Team, il reste une Coupe de France demain. Je sais que c'est un petit peu votre objectif. Donnez votre maximum, faites-vous plaisir, amusez-vous. Vous savez très très bien que votre objectif, c'est mon objectif. Je ne vous mets pas la pression, vous ferez tout ce que vous pouvez pour être au mieux, pour vous éclater. Et puis c'est la dernière ligne droite avant le France, hein, si vous avez compté le nombre de crosses qui vous reste à faire, ça va arriver vite. Donc je pense que c'est important demain de faire une vraie belle course, de rien lâcher. Vous vous êtes entraîné pour ça, vous avez été sérieux pour ça, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Donc maintenant, comme je vous le dis et comme je vous le répéterai toujours, passez la ligne sans avoir de regrets. C'est vrai que dans le team, il y a une bonne entente, un bon esprit d'équipe et du coup c'est ce qui donne aussi cette force avant chaque course. Quoi. C'est vraiment un petit comité restreint, c'est une petite famille qui est en train de se mettre en place. Tant par les coureurs que par l'encadrement et les mécanos, les kinés, médecins, accompagnateurs. Voilà, on se découvre tous de mieux en mieux. Avec Lucie, on a vraiment rien à vous reprocher, bien au contraire, on n'a que des éloges à vous faire. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est de continuer avec vous l'année prochaine. Du moment que vous vous êtes, vous, épanoui, et ben nous, en fait, on est épanoui. Et on est très, très, très heureux de vous aider. Puis comme je ne vous verrai pas avant Noël, sauf Antonin, mais je vais quand même vous... Je vous ai fait un petit cadeau de Noël, en espérant que ça vous fasse plaisir, évidemment. Ah, c'est comme... Ah, vache, moi. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, vous pouvez aussi les... Ouais, on est obligé. Ici, on est obligé, et tous les Merci papa. De rien. Ça me fait plaisir. Ça c'est une famille ça. Merci. De rien. On voit au nombre de départs sur les Coupes de France et tout, il y a 180 cadets au départ, 150 juniors. Et puis après, il n'y a plus aucun crossman niveau mondial quand ça arrive chez les élites. Donc c'est qu'il y a un souci et que... Ouais, les jeunes aimeraient, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure, donc c'est pas jouable. Et puis ils se décalent plus vers la route. Je pense que ouais, par défaut, les coureurs vont sur la route pour vivre de leur passion, qui est le vélo à la base, même si leur discipline face est le cyclocross. Quoi. Pour ma part, là, je suis employé par Cofidis, mais je ne suis pas payé uniquement pour le cyclocross. Je dois faire une saison sur route à côté. Francis Mouret l'a fait pendant de nombreuses années, Steve également. Et bon, tant d'autres qui ont partagé route et cyclocross. Steve, ouais, il est parti sur la route parce que, bah, comme tout le monde, il avait une famille à nourrir, il était obligé de gagner de l'argent. Et c'est pas en faisant que du cyclocross qu'on gagne de l'argent. Alors c'est pour ça qu'il était parti dans des équipes pour faire que de la route. Chez les jeunes, il y a beaucoup de médailles internationales, il y a eu des champions du monde, il y a eu des vainqueurs de Coupe du monde. Et ils arrivent à 20 ans. Bah ouais, les gars, mais moi, à la fin du mois, il faut que j'aille manger. Et le vélo, le cyclocross, ça coûte de l'argent, mais on n'en gagne pas. Steve, en créant ça avec Lucie, c'est qu'ils veulent apporter aux jeunes générations ce qu'eux, ils leur ont manqué pour vraiment s'exprimer dans le monde du cyclocross. Mais je dis, mais tu sais, faut pas oublier les élites, hein, ouais. Parce que qu'est-ce qui fait que moi, quand j'étais cadet, oui. J'avais envie d'aller rouler dans les élites, et je voyais Magnin, c'est ça. Ce qui te donne envie d'en faire, tu vois. Aujourd'hui, bah ouais, on veut créer une équipe pro, on veut pouvoir proposer aux gamins des contrats professionnels, aux jeunes femmes également des contrats professionnels, pour pouvoir les aider à performer et à devenir champion du monde chez les grands, chez les élites. Bon, j'y vais à midi et quart, moi, les gars. Ça vous va ? Il est 45. Les pressions, tu quoi ? 1,7 à l'avant, 1,7 à l'arrière, 1,5 à l'avant. L'avenir des groupes sportifs comme veut faire Steve, il faudrait qu'ils s'en créent 3 ou 4 en France, mais très sérieux, sur des structures sérieuses, non pas des choses qui vont durer éphémères 1 ou 2 ans, c'est-à-dire avec des jeunes, pas obligatoirement beaucoup de coureurs, hein, mais des jeunes qui soient juniors jusqu'à au moins un coureur élite, quoi.
Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait ce cheminement. Un jeune coureur qui va rentrer dans son team, il faut qu'il puisse espérer évoluer au haut niveau. S'il y a d'autres équipes qui se décident à se monter comme moi, ben, encore une fois, le but, c'est pas d'être les numéros 1, c'est pas d'être les meilleurs, c'est pas d'être les précurseurs. Le but, c'est de faire gonfler cette discipline et de, sportivement parlant, pouvoir proposer aux gamins une alternative au fait que quand on arrive en élite, on peut devenir de vrais spécialistes. Moi, Steve, ce qui m'a épaté, il était cadet junior première année. Et dans les stages d'équipe de France, il racontait à tout le monde à table, il racontait le Tour des Flandres, comme s'il disputait le Tour des Flandres, quoi. Alors, tout le monde se rigolait parce qu'il arrivait pour finir et gagner le Tour des Flandres, quoi. Il battait les meilleurs, il parlait de Museu et compagnie. Tout le monde rigolait, mais quand il a terminé 20e de Paris-Roubaix, ça m'est revenu, je dis, mais en fait, à l'époque, hein, personne n'aurait pensé que Steve Fianel, il aurait pu faire 20e de Paris-Roubaix, quoi. Donc, c'est ça qui est important. Je crois qu'il faut transmettre. Faut transmettre. Tu gonfles à combien, là ? J'ai mis un 5, un 5 et un 7 à l'arrière. OK. C'est vrai que le cyclocross en France, le grand public, je pense qu'il ne le connaît pas forcément. Je vois bien quand je parle du cyclocross autour de moi, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Bon, faut toujours expliquer, alors que le championnat de France passait sur France 3 il y a encore quelques années. C'est une discipline qui est très prenante du départ jusqu'à l'arrivée au bout de 60 minutes. C'est sur un parcours, on fait à peu près entre 7 et 10 tours, à peu près, ça dépend du temps qu'on met autour, mais nous, les élites, c'est une course d'une heure. Et c'est ça qui est bien, c'est que les spectateurs, ils nous voient plusieurs fois, ils peuvent nous voir à plusieurs endroits. C'est des retournements de situation, voilà, un pépin mécanique. Des chutes, des ennuis mécaniques, c'est un circuit qui est glissant et c'est vraiment un exercice qui est tonique, il faut être technique. C'est rare qu'on connaisse le vainqueur, même si des fois il y a des écarts qui sont faibles. C'est pas ennuyeux, il se passe toujours quelque chose du premier au dernier coureur, du premier au dernier tour, il peut toujours se passer quelque chose. C'est très prenant et voilà, il faudrait en avoir plus à la télé. Et on parlait de nos voisins belges, mais tous les week-ends, leurs cyclocross sont médiatisés. Et je pense que c'est grâce à ça qu'ils sont plus reconnus, plus de soutien de la part des sponsors et des équipes dédiées à ça. Ici, sur la ligne d'arrivée, le bonheur de la victoire pour Clément Venturini, le porte de l'équipe Cofidis, vainqueur de l'épreuve de nommée intraitable, 5e Steve Chanel, Heinz-Renz, 8e Camino Danois, Heinz-Renz, 9e Alex Valenta, Heinz-Randeneuf, 10e Alexandre Guy. L'arrivée de Mathieu Boulot, donc comité de Bretagne, qui termine 12e. Allez grand, pas grave. Steve, ça part vraiment d'une envie de faire progresser la discipline en France. Et donc le but, c'est justement qu'il y ait plusieurs équipes, quoi. C'est pas pour lui diriger une équipe, une seule unique équipe. C'est vraiment faire monter cette discipline en flèche en France, quoi. Donc pour ça, il faut quoi ? Il faut bien sûr des sponsors, mais pour avoir l'appel des sponsors, il faut aussi des retransmissions télévisuelles. On a 4 Coupes de France qui permet de médiatiser un petit peu plus le cyclocross, mais on a besoin de gros partenaires d'ailleurs, ou peut-être de privés, de pouvoir organiser bien sûr des événements pour pouvoir créer une émulation autour du cyclocross et que ce soit retransmis à la télé, parce que c'est un format qui est vraiment plaisant à regarder pour le téléspectateur. Non.
l'arrivée donc de Yann Gras qui termine à la sixième place avec un retard de 1 minute et 9 secondes. Ouais. C'est aussi comme aujourd'hui quoi. Ouais, aujourd'hui, ouais. Malgré que je suis reparti 17ème dans le premier tour. Ouais, moi j'ai vu ça. Je pensais vraiment pas remonter si bien quoi. Franchement. Et puis entendre 2-3 centaines de Allez Lulu, ça fait plaisir aussi. Ouais, c'était à fond dedans. Ça j'ai pas vu les gens. J'ai pas couru ici depuis 2013, depuis la France. Ouais. Voir la rencontre de la jeunesse. Du plus vieux. C'est vrai que Steve, déjà, c'est sans pression, lui. Donc, quand il est avec nous en équipe de France, ça va permettre de mettre tout le monde de bonne humeur. Il déconne bien avec nous et tout. Et puis, à côté de ça, on sait que si on a besoin de conseils ou autre, il sera toujours là pour nous conseiller, quoi. Regardez, de l'or en boîte, là. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de la belle canne. La belle canne. Ça, c'est de la grosse canne à la moto. Vous voulez voir de la canne un peu pourrave, mais. Ça, c'est de la canne un peu mou. C'est mou, hein. Ça, c'est mou. Hein. C'est à l'image, quand il se lève le matin, il est tout mou. Ça se dégonfle. Il est vraiment télégénique, il apporte beaucoup avec son sens de rigolade et tout ça. Et oui, Steve, c'est un très bon, très bel ambassadeur pour le cyclocross, pour faire monter cette discipline au plus haut niveau, au niveau des médias et faire connaître notre discipline. Ouais. Steve est quelqu'un qui aime beaucoup donner dans le sport. En tout cas, il aime vraiment faire partager sa passion et son expérience. Il l'a toujours fait. Et je pense que là, le projet lui tient vraiment à cœur parce que d'avoir des coureurs dans l'équipe, il peut encore plus s'investir là-dedans. Moi, je suis plus dans la performance, donc j'espère pouvoir leur apporter mon expérience pour vraiment gérer un championnat et une approche d'un gros objectif. Bah Steve, c'est un personnage. Moi, je l'ai connu en cadet, donc j'ai eu en équipe de France lorsque j'étais entraîneur pendant beaucoup d'années, jusqu'à ce qu'il devienne élite, où il est terminé d'ailleurs 4e des championnats du monde élite. C'est un coureur charismatique, hein, qui représente beaucoup pour le cyclocross. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il s'est orienté vers faire quelque chose pour cette discipline, quoi. Parce que ce qu'il veut aujourd'hui, son projet, c'est quelque chose de novateur et qui correspond bien un peu au personnage, parce que c'est toujours quelqu'un qui a eu envie de faire des choses. Identité Vosges, c'est lié à des personnages. Vous avez parlé d'Absalon ou de Chanel. Jamais oublier qu'il y a des coureurs qui sont des éléments moteurs. Et ils peuvent être de très bons coureurs, mais s'ils n'ont pas compris qu'il faut aussi développer, être médiatique et puis essayer de développer par l'intermédiaire de l'aura que peut avoir un coureur. Ça, c'est très important. Et Steve en fait partie. Et Lucie aussi, elle est connue dans le monde du cyclocross. Elle a fait une médaille à Louisville. Et c'est deux personnes qui sont très importantes pour le cyclocross en France. Et c'est de ces personnes-là qu'il faut s'enrichir pour faire connaître notre discipline à tout le monde. Bon, messieurs, ça va être la sieste. Hein. C'est des vieux, à 4h30, ça va au lit. Bon, et toi? Du monde, c'est on va dire le plus grand événement de la saison cyclocross, où la saison se clôture quasiment là, sauf les équipes belges qui continuent à courir. C'est une récompense de la saison qu'on a faite et c'est toujours une fierté de porter le maillot et de se dire qu'on l'a mérité aussi. Avec Steve, on a déjà disputé pas mal de courses, on a déjà porté le maillot de l'équipe de France sur beaucoup de championnats. Ouais, ça fait une belle vitrine pour le cross team, c'est sûr. Hein. On est quand même les deux, entre guillemets, leaders et fondateurs du cross team. À nous de montrer l'exemple et à nous de donner envie aux jeunes de faire du cyclocross. Et ouais, ça passe par porter le maillot de l'équipe de France. Une minute jusqu'au départ.
C'est totalement différent, il n'y a pas vraiment une grosse part tactique non plus en cyclocross, même si on le voit de plus en plus, où il faut vraiment gérer son effort parce que tout le monde se rapproche justement du très haut niveau. Donc, ouais, je sais pas. Moi, le fait que ce soit déjà un sport technique, comme le biathlon finalement, un très très bon skieur qui est pas technique, qui sait pas tirer, il va pas faire de résultats quoi. Moi, je compare un petit peu la route avec le marathon à pied. Donc, courir un marathon, bah voilà, c'est peu spectaculaire, ça se fait à l'usure, ça pète. Et nous, le cyclocross, c'est le 3000 mètres steeple quoi. Il y a des barrières, il y a une rivière à passer, puis il y en a qui peuvent partir très vite, il y en a d'autres qui vont partir un peu plus lentement. C'est quelque chose qui me plaît quoi. C'est d'aller au Danemark dans 2 ans et c'est de d'avoir encore plus de monde avec le cross team, avec notre team, et puis de vivre encore ces émotions, parce qu'aujourd'hui j'ai 33 balais, mais je suis autant frustré que quand j'étais junior et que j'ai abandonné en junior 2. Donc ça montre que j'ai encore envie et que je suis surtout pas fini quoi. L'année prochaine, c'était encore un saison pour toi. Merci Uri. C'est vrai, on est des copains? Ben oui, on est des copains. Moi je suis content. Merci Olivier. Faut pas oublier. T'as bien roulé. Mais faut pas oublier. Regardez les mecs. Salut un peu. Ils sont là le cross team. L'avenir, déjà c'est pas se fixer de limites. Si vraiment j'avais un rêve entre guillemets, mais c'est pas un rêve parce que je sais que ça va se réaliser. Je sais qu'on est dans le vrai à l'heure actuelle, on va réussir, on va monter notre projet, on va être une équipe professionnelle. On va tout faire en tout cas pour que le cyclocross, que ce soit moi, Geoffroy, Steve, Lucie, on est tous, il n'y a pas que nous, hein, on est beaucoup de personnes autour, hein, que ce soit tout le staff finalement, on est très motivés pour faire avancer les choses. Et pas que dans le cross team, hein, c'est vrai que demain il arrive n'importe quoi à notre coureur, on sera les premiers à les dépanner ou quoi que ce soit. Mais on va tout faire pour que le cyclocross français brille au plus haut niveau dans les années qui arrivent. Quoi. C'est bien pour le cyclocross français de créer cette équipe, et encore plus dans les Vosges, voilà, parce que c'est aussi une terre de vélo et de cyclocross. C'est avec des initiatives comme Steve et Lucie qu'on pourra faire progresser cette discipline. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait en France l'engouement du cyclocross qu'il y a en Belgique. Et pour ça, il ne manque pas grand-chose. Moi, j'y crois fortement. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment que cette équipe soit l'une des plus belles équipes en France, à l'international, et que même d'autres équipes en France nous rejoignent, se créent. En tout cas, moi, je travaille
pour ça. Et chaque matin, chaque coup de téléphone que je passe aux partenaires, c'est mon objectif. Donc on se donne encore 3-4 ans pour y arriver. Moi, j'ai encore envie de faire 3-4 saisons de cyclocross encore. Je ne suis vraiment pas cramé physiquement ni mentalement. Franchement, je sais que le cross team, ça a de l'avenir. Et on va le faire, on va monter cette équipe professionnelle.